Bon, je te déteste. Ici c'est LB35 et que vois-je ici? Oh, mais c'est un Eldemon sauvage! Vite! Pokéball! Même la case de Pokéball n'est pas suffisante pour toi! Ah, et Spiritus qui flambe aussi. On a Frosty qui est pas très loin normalement. Alors, bleu. Ah, c'est bon, un cœur. Frosty. Stone Armure. Tiens, je pique. Mais non, lui il passe sur son PC là. Ah, oui, c'est pas faux. Il devrait revenir dans pas longtemps. Merci, maman. Ah, salut, maman. Ah, bah, tiens. Et donc, Eldemon fait un retour. Un retour, un caméo, on va dire, pour MVO4. Celui-ci a légèrement arrêté Mincecraft. Ouais, Mincecraft, j'ai un peu arrêté, ouais. Ce qui est dommage parce que tu fais partie des personnalités fortes de la team, si je puis dire. Si tu puis dire. Tu si puis je dire. Puis dire. Je peux piocher dans le DM pour me refaire un stuff. Donc juste l'armure. Un peu, mais pas trop, tu seras gentil. Bon, je vais prendre juste deux coiffeurs. Hein, Juste deux coiffeurs Ouais, je me sers pas trop, t'inquiète, je vais. Juste prendre de quoi commencer, puis ensuite je vous laisse. La Frosty qui va arriver dans quelques secondes, en théorie, et Fanax dans quelques secondes aussi, en théorie toujours. Bon. En théorie, c'est bien. Bah, je vais peut-être aller miner quelques trucs histoire de commencer à me faire un petit stuff. Dans quel temps que je peux aller miner? Bon courage, parce que ouais, là, bon courage, tu risques de mourir dans l'atroce souffrance plusieurs fois, je vais quand même te montrer. Pour le minage, après, je pense que ce serait aussi simple que tu pioches dans les coffres, mais bon. Le minage, c'est possible, c'est pas ici, c'est où déjà? Le minage, alors... c'est chiant parce qu'on peut pas trop voir où sont les entrées des mines, mais... Est-ce que ici il y a... Oh, il y a une cave! Ah oui, c'est une cave. Bon, bah au pire, tant pis. Hein. Sinon, je me fais une maison dans un arbre et puis voilà. Ça quitte. Ouais, non, mais parce que pour ce qui est de la mine, il y en a une. Il y en a quelque une. Part, mais on ne sait plus. Il y en a une où. Quelque part. Bordel, comment j'arrive à retrouver, c'est scandaleux ça. Petit joint, allez, on y va. Je crois me souvenir un truc, c'est que aussi, les grottes sont des grottes un peu style Fallen Kingdom. Tu pourrais me remettre hop, s'il te plaît, CLB. T'es plus hop, toi. Ouais, y a vraiment des soucis de permission sur le serveur. Bon bah, ah mince, je suis con, j'ai pas de bois. Comment est-ce que je vais réussir à me faire une maison? Oui, c'est le bonheur. Allez, prends toutes les ressources. Sachant que j'ai beau avoir joué pendant je sais pas combien d'années à Minecraft, je suis toujours un architecte aussi pourri, hein, vous rassure. Voilà. Alors, ce que je vais faire pour t'aider à manipuler le bois un petit peu, je vais te donner ceci. D'ailleurs, j'ai pas envie de monter sur pack. Fais très gaffe quand tu creuses avec, fais très gaffe. Ok, c'est le Spiritus. Ne creuse pas avec dans la base, tu seras gentil. Oui, ouais. Je crois comprendre ce que tu veux dire. Et j'en ai trois sur moi en fait, des trucs comme ça. Ah ouais. Je suis en train de trier mes coffres et mes affaires, petit con. Attends, je vais aller piocher un peu plus de bois. Oui, je sais, on ne pioche pas du bois, j'en ai rien à foutre. Ah merde. Voilà. Alors, où est-ce que je peux trouver une forêt ou quelque chose qui s'y rapproche? Alors, tu sors de la maison, tu vas tout droit et tu y seras. Au bout d'un moment, tu auras plein d'arbres, voilà. Et des arbres gigantesques que tu mineras à la tronçonneuse. C'est la joie. Ah ouais, ok, la touche de shift. Allez hop, ça commence d'ailleurs. Non, mais je sais pas. On t'entend vraiment pas trop Frosty en fait. Ouais. Non, son truc qui va. Non, mais c'est normal, on veut pas l'entendre. Tiens nos oreilles. Hashtag troll. Bon, bah, j'ajoute Mr. Fanax dans la conf, qu'il ne le veuille ou non, parce qu'il me répond pas, ce type. Il devait changer de PC, mais peut-être. Il a probablement des petits soucis d'administration. Genre. Oui, mais non, tu ne vas pas sur le PC parce que. Voilà, bon, ça arrive. J'espère qu'il arrivera quand même, ce serait sympa. Je que je te troll, sinon, j'adore. Alors. Wouhou! Une forêt! Des arbres! Des moutons! Des moutons! Des moutons! Des moutons! Des vaches! Butons toutes ces vaches de merde! Oh non, peut-être pas. Oh là là. Tu es mort une fois déjà là. Bon, juste une fois. Je sais même pas quand c'est arrivé. J'ai des petits soucis de FPS. Oh là 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 là. Oh mes FPS! Oh mes petits FPS! Oh les FPS! Oui, très vite, effectivement. Oh Frosty, bonjour. Tu me permets de me mettre en créa parce que à cause d'un serpent spirit, je peux plus accéder à mon offline. Regarde à cause du balcon là-haut.
Hein, parce du balcon là-haut. Il y a trois personnes qui y tombent parce qu'ils sont un peu cons, mais... Et, il faut casser quel bloc? De quoi? Il faut casser quel bloc? Quand je tombe, j'ai intérêt donc. Attends, je rejoins, mais en plus je t'entends pas très fort, ça aide pas la compréhension. Comment ça, j'ai fait quoi? En fait, j'ai le son quoi, de ton micro, c'est du vent avec en arrière-fond. Là. Tu vois? Ouais, il a planté pile où il fallait pas. Alors, je suis. Là, c'est bien. Là, ah oui, d'accord. Allez, au revoir. Voilà. Voilà. Allez, on va commencer à destroy cet arbre à la con. Oui. Yeah. Butons tous les arbres, ils n'ont rien à faire sur Terre. Ah. Exactement. C'est ce que doivent se dire les mecs qui se chargent des compagnies en Amazonie et autres. Parce que oui, les arbres, la planète, c'est moche, c'est butons-les. Voilà. Et mettons un butique à la place. Alors que du bon gros blé, ça, ça prend pas beaucoup de place, et ça, c'est bien. Et comme ça, on va mettre un immense cube. On va mettre un immense cube blanc avec des fenêtres à la place. Yeah. Yeah. Génialissime. Bon, moi, j'aime tes idées. Ouais. Puis on va mettre une usine là. Moi, j'aime ça. C'est beau, une usine. J'aime le faire. Oui. Tu le souhaites? On est sans esprit, je crois. Alors, dès que Kranax est de retour, on devrait, et que tu auras installé ta base et pris tes marques, on devrait peut-être commencer à se diriger vers... Oh mon dieu. Qu'y a-t-il? Un Fanaxoune. Un humain. Butons-le. On va garder ça de spiritus. Serveur ouvert, épisode commencé, Eldaimon présent. Vous faites quoi déjà? On est sur MVO. Oh. Bonjour YouTube. Bonjour. Bonsoir les gens de l'internet. Même si on n'est pas de joie. Salut internet. Ici Doc7, non je déconne. Il y a trois personnes qui m'ont regardé. Nigger. Ah merde. Tu... Oh putain je flambe. Faut que j'aille chercher de la bouffe, moi j'en ai plus. Moi, oui. Tu vas dans la machine à poulet. Ah oui, la machine à poulet, c'est peut-être pour ça que je ferai. Ah, vous avez fait une machine à poulet, ça l'est. Tinjoff a fait une machine à poulet. Tinjoff a fait une machine à poulet, et c'est très productif. C'est la même chose. Enfin, il a plus ou moins reproduit bloc par bloc la machine de Zephyr. Hein. Ah oui, bah attends, c'est la plus efficiente, donc qu'est-ce que tu veux? La plus efficiente. MDR. Bah, c'est comme ça qu'on dit, je trompe fait, bah. La plus efficiente. Ça part mal. Alors, tous les gens qui sont sur scoreboard que tu vois sont pas tous de la MC4 team. Sinon, ouais, sinon Fanax finirait en PLS pour la bannière. Donc 200 diems, bon. Et puis Queen, comment ça qu'il s'est renommé déjà mais qu'il n'a pas renommé son compte de Jang? Oui. Et puis Queen 666. Il s'est invité à en live. Il joue toujours à Minecraft, c'est cool ça. Je crois. Ouais, parce que moi tout ce que je fais avec lui c'est de la musique, je crois. Donc Oui, d'accord. Puis causer aussi parce que c'est un mec super sympa. J'ai oublié qu'il y avait un bloc d'or ici. Un bloc d'or. Et puis Queen, si tu m'entends, bah je t'aime. Il m'interdit strictement qu'on appelle Epic Queen. Deux secondes les mecs. Qu'est-ce que j'ai cherché moi déjà? Ah oui c'est vrai. Mais j'aurais peut-être pas assez d'XP pour réparer mon stuff en diams. Allô. Bon, je vais me tirer avant de crever. Voilà. Tu commences à avoir des gens pas gentils qui s'approchent hein. Non, pas encore, mais ça va pas tarder. Et puis comme j'ai juste une épée en pierre sharpness, bah... Ouais, pas trop de ok, je viens de casser une enclume, désolé. Non, pas les enclumes. Hein? Tricheur. Non, je croyais en fait c'était le contraire, merde. Voilà. Bon, on s'en fait un peu réparer, j'ai plus d'XP. The cake is alive. Level parce que je suis mort la dernière comme grosse merde et qu'il n'y avait plus aucun stuff. Donc... Gardez-le à l'esprit. The cake is alive. Is alive. Ouais, le cake is alive. Bon, bien sûr. The cake is alive. Oui. Attends, je vais te montrer un truc, Eldaimon.
Désolé, ton argent arrive. Attends-moi à l'entrée de l'arbre. Ouais, j'arrive. Moi, je vais récolter le blé. Patiente un instant. Je vais récolter le blé. Tu vas récolter le fric ? Ouais. La YouTube money. Qu'y a-t-il, Frosty 29 Je vais récolter la YouTube money. Alors, je vais juste tester un petit truc. Je stoppe le record. Comme toujours, donc du coup, ma voix est légèrement faible par rapport aux autres. Une nouvelle raison de gueuler pour Nayeul. Alias Auréorel. Ouais, tu peux réduire le son de ma voix histoire que je puisse gueuler. je peux réduire le son de vos voix. Attention, je réduis au max. Alors, juste Frosty, je t'entends très très mal. Ouais branche ton truiton, Frosty. J'entends quasiment que dalle. Ouais. La pomme. Ouais. Ah, je peux cliquer sur la pomme. Ouais, Notch Apple, bravo. C'est génial ça. Ouais, prends-la. Ah, merde. T'en mais non, mais non. Tiens, ah, voilà, merci. Ah ça où elle est Skype, comme ça je vais être à peu près à votre niveau. Voilà. Laissez la Notch Apple. Laissez la Notch Apple là où elle est. C'est lui qui m'a dit de la prendre, c'est sa faute. Surtout que je l'ai même pas récupéré, je crois qu'il ne faut pas dire, il ne faut pas faire ce que Frosty te dit. Et surtout Frosty, il fait pas ce qu'on lui dit de faire. Mais après t'as un bonus mec. Frosty, tu m'entends ? Oui. Une bonne fois pour toutes, branche ton putain de micro casque. Ah oui, et aussi on entend. Et je crois que c'est toi qui as la pomme. Il arrive pas à régler les volumes et tout ça. Parce que c'est qu'un noob. Voilà, c'était gratuit. Hein, Frosty, je crois que c'est toi qui as la pomme. Parce que moi je l'ai pas. Frosty ? Oui. Nanapple, tu la remets dans son cadre. C'est pas moi qui l'a. Mais si, c'est toi qui l'as, puisque moi je l'ai pas. Momo ? Mais je te jure, je l'ai pas dans mon inventaire. Je vais pas garder dans mon inventaire ou je sais pas ce que tu veux faire, mais j'ai pris sur moi. Bah, je sais pas, j'ai peut-être. Ah merde! Voleur! Non, pas une witch! Voleur! Ah. Je ne vois pas de quoi vous parler, je n'ai rien fait. Non. Si l'un de vous deux l'a shippé, ceci dit, va falloir vous l'enlever. Non, mais je t'assure, je l'ai pas. Ça y est, j'arrive sur le serveur, je suis déjà bon. Un voleur. Eldaemon n'est pas un layeur, contrairement au gâteau. MDR, loul, hashtag rect. Ah, MDR, loul, ça fait plaisir. Putain, je suis empoisonné par un salope. Alors, t'as pas du lait quelque part. Tu es sur le serveur Attends, bah tiens, je vais me mettre en haut de la plus haute des branches, voilà, parce que c'est drôle. Puis même pas la plus haute. On n'a pas entendu depuis un petit moment, Fanax. Fanax, bah faut venir sur le serveur, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce que tu crois que j'ai un PC capable de lancer Minecraft en mode? Ça fait 10 bonnes minutes là. Oui bah justement. Oh merde, on n'a pas de lait, fait chier. Meilleur processeur, dès que t'es là, on va essayer de se diriger vers... Un donjon. On n'a pas juste un donjon. Par contre, j'ai deux choses à vous dire. Un, j'ai plein de stuff, et deux, j'ai une épée en fer, même pas Sharpness. Bon. Moi j'ai une épée en. J'ai une épée en pierre. C'est la vache, les mecs, c'est la dèche. La plus vache. Ah, vous exagérez. Alors. Moi je suis 4-3 coeurs, il va falloir attendre un peu avant de partir parce que je me suis fait empoiser par une bip 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 de witch. Voilà. On va censurer parce que. Voilà. Une bip 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 de witch. Une grosse connasse de witch. Ah ah ah. C'est pas vraiment ah bah, il arrêterait si Robert. Oh, à peine il meurt. Non mais j'arrive pas à mettre un persistence record sur Robert, donc du coup il dépop tout le temps. Oui, pour Eldaemon, Robert c'était un zombie géant. Voilà. Ouais, ah, alors, cool. Je sais même pas s'il est apparu en vidéo d'ailleurs, il est apparu en live. Mais, peut-être. Voilà son enclos. Vide. Ah ouais. Tu es où Eldaemon d'ailleurs? Moi je suis en haut de l'arbre en train d'essayer de construire ma maison. Ah, hein, tu vois. Et je suis en train de prendre des risques inconsidérés. Parce que je suis très très haut. J'ai décidé de me mettre sur une branche. Le problème, c'est que j'ai décidé de me mettre sur le bout de la branche. Oh, copain. J'ai fait la même chose. Le problème, c'est que, tu vois, moi, j'ai mis une maison un peu solide entre deux branches. Tinjoff a suspendu sous une branche une maison. Et moi, j'ai défié les lois de la gravité. Moi aussi. Tinjoff a installé un putain de manoir sur une brindille. Voilà. Bah, c'est ce que je suis sur le point de faire. Oh. 3, 4, 5, ça fait 9. Tiens d'ailleurs je vais te montrer la base de Tinjoff histoire que tu puisses la prank. C'est un peu la tradition.
Non, mais non. Non, c'est installé. Non. Pas tout de suite, en tout cas. Enfin, je compte pas pranker, en fait. Oh, c'est triste. Oui, je sais. Les pranks, c'est moche, la vie. Hein. Sauf pour Tinjaf. Tinjaf va gueuler si jamais on fait. Tu t'es installé où? Donc au final, c'est aussi bien. Le Diamond, tu t'es installé où? Est-ce que t'as mis la lumière sur le voir où tu es? Je suis en train de construire ma maison. Ça, c'est ma maison. Là, c'est celle de Fanax, un gros cube de pierre au milieu d'une branche. Ça, c'est celle de Spiritoff, un énorme manoir au bout d'une brindille. Ça, c'est celle de Tinjoff, un dirigeant. Got the power. Et ça, c'est quoi en fait? Ouais, j'avoue, c'est quoi ça? Ça, c'est de la merde, ça. Ah non, c'est Frosty. C'est Frosty. Oh merde! Ah d'accord. Non, mais Dodo, elle ressemble pas à grand chose, ta maison. C'est Frosty. Oh, zoom dramatique! Et alléluia, surtout. Ça trouve, c'est même pas la mienne. Non, mais là, je suis sûr que ça tienne, c'est juste à côté de Frosty Arslime. Mais. Ah ouais, et y'a pas un gros F majuscule? Ah, peut-être, non, mais j'ai pas vu. J'ai pas bien. Ouais, mais on sait même pas comment y aller, c'est un petit peu trop abrupt en fait. Ah non, me dis pas que j'ai fait le con. On est 5 et on a Eldaemon pour la première fois de la série, ce qui est joyeux. Parce que quand on retrouve nos anciens membres, ça fait toujours plaisir. Qui a mis? Eh merde! Ah, c'est bon. Putain, j'ai un mi-coeur! Bon, les gars, qui a mis? Alors, si tu pouvais éviter de mourir avec tout ton stuff devant moi. C'est sympa, tu vois. Parce que, tu vois, moi, du coup, je passe en mode... Mais... J'éclaire la maison de Watershot. Ouais. Mode gay qui lag. Il y a plein de zombies. Ouais. Ça me fait aucun sens. Alors, Lagman. Ah, d'accord. Lagman. Arrêtez de laisser vos portes ouvertes, les portes de vos maisons ouvertes, sérieusement. Il manque pas grand chose, hein. Ça me paraît bon. J'ai pas de porte. Éventuellement mon énorme stack de poulet cuit. C'est un FPS. Purée, j'ai l'impression que cette map s'est pas améliorée depuis la dernière fois. Ah bon? Niveau lag. Ah ouais, bah j'ai... Ah bah j'avais que un stack de poulet, donc celui-là devait t'appartenir, donc je te le rends. What? Comment est-ce qu'il a fait pour monter en haut, lui? Eldaemon, toi aussi t'es en FPS à peine? En FPS? Non, moi je tourne vachement bien. Ah bon? Moi je tourne à 30 à peu près, bon bah comme d'hab quoi, j'ai envie de dire. Moi je tourne pas. Enfin, par rapport à ce dont j'ai l'habitude, je tourne plutôt bien. Hein. Sérieusement, les Diamonds, t'as fait comment pour aller là-haut? Moi, bah j'ai avancé parmi les arbres. Je sais pas, je vois un début de construction là-bas, mais faut passer par chez Frosty. Alors je vois pas comment on a fait. Alors là, je suis pas passé par qui que ce soit, moi je. Ah d'accord, bah je sais pas, il y a une construction là-bas et Dieu seul sait comment elle a fait pour arriver là. Je sais pas, c'est peut-être pas moi, hein. Frosty, hein. T'as lagué. Frosty? Oui. C'était quoi la phrase de Fanax? Oh merde, 1, 2, 3, 4. Pas bien compris. 4, 5, fait chier! Alors qu'il est tout bête. On te comprend vraiment pas bien, Frosty. Ouais. C'est bien, ouais. La maison de Watershock. Tiens d'ailleurs, Eldaemon, pour quand tu auras fini ta maison. Oui, d'ailleurs, la tête. La tête! Tu mettras au-dessus ton pas. C'est le mon glauque. Ouais. Tu mettras ta tête sur ta maison. Mais j'ai pas envie de mourir. Ah merci. Et moi j'ai pas, c'est j'ai cool. Pas ma tête tranchée c'est trop chou. Sur ma maison. Ah bon, ah bon. Mais c'est une erreur que tu dois corriger immédiatement, écoute. Ouais. Et je dois avoir ma tête tranchée dans ma maison. Quel bel élément de décoration. Dans ta maison, bah. Non, bah, enfin au-dessus de la porte. Voilà. Bah oui, je vais te donner du coup immédiatement, vu que tu ne l'as pas excédé de l'hérésie. J'ai disparu. Fanax. Ah non, c'est bon. Je perds des quantités de bois à chaque fois que je veux essayer de... Ah d'accord, ça y est, je vois le début de Maison d'Eldem. Ouais, ouais voilà. Ben, j'ai donné la tête de Mr. Fanax à Mr. Fanax, en un exemplaire. D'habitude, c'est plutôt la décapitation, ça. Effectivement, j'ai ma propre tête. Non, ça va, tranquille.
Mais tu sais qu'il y avait une mode dans certains pays, il y a... Je me suis déguisé en décapitation, tu vois, c'est une mode de... Non, c'était de prendre des photos avec... Enfin, prendre que les morts prennent des photos post-mortem. C'est cool, hein. Enfin, en fait, on les mettait dans un... C'est photographier des cadavres que tu me racontes, là. Ouais, voilà. Et en fait, on les habillait et tout. On les mettait bien. Leur mettait un verre de soda dans la main. Et merde. Oh, c'est les vulgaires, c'est pas gentil. Ah, puis on est mis en haut de l'arbre. Je sais pas où je suis tombé, vraiment. Faut jamais, quand t'es dans l'arbre en train de construire ta maison, faut jamais relâcher le sneak. Faut te le dire. Et j'ai pas relâché, justement. De toute façon, idéalement, faut jamais. Ah, d'accord. C'est beaucoup trop dangereux. Moi, j'y suis avec le speed. Ouais, bah, t'as fait comme moi, hein, sur une brindille. Ou calme. La maison de Watershock. Ouais, non, mais je sais pas où je suis tombé en fait, c'est ça qui me fait chier. Qui est sympathique. Ça va, je l'ai retrouvé, je crois. Ok, sincèrement, très pas mal. J'aime bien. C'est plus petit que moi, mais bon. C'est plus petit que toi, mais c'est un peu aussi. C'est sympa. Par contre, c'est vrai que pour redescendre, faudra que tu fasses quelque chose. Putain, j'offre. Même moi, j'ai sécurisé. Attends, parce que je retrouve pas ma maison, là, mon début de maison. Bah, si on sait pas dans la maison, on peut pas t'aider. TP-toi à moi, au pire. Okay. Bon, ok. C'est qui est en train de me parler en fait, parce que je vais vous téléporter. Je vais téléporter donc Eldaemon à Spiritus Wolfis. Merci, Spiritus Wolfis. Bon, il s'appelle Spirit Wolf en fait, mais là. On l'appelle Spirit Wolf. Hein. Et sa chaîne YouTube s'appelle Spirit Wolf et il poste très régulièrement du contenu, notamment sur Assassin's Creed en ce moment. Okay. J'arrive jamais à, avec mon frère qui prend souvent la connexion internet, je n'arrive jamais à aller jusqu'au bout de la mise en ligne. Donc... Ah oui, ça doit être chaud. Oui. Est-ce que t'aurais un solo sous la main? Par contre, ça rend pas super bien vu que j'ai une double porte. Ah ouais. Faudrait deux têtes. Tu fais comme moi, tu mets un panneau juste à côté pour dire bienvenue chez Mister Fanat. Un autre panneau avec une sonnette idéalement. Est-ce que j'ai un panneau sur moi? Non. Mais peut-être que tu m'as chippé les miens du coup. Moi j'en ai. Moi j'en ai un. J'en ai un. Certainement des panneaux quelque part. YouTube Money, voilà où il cache toute la YouTube Money. La YouTube Ah ouais, Money. J'en ai un. C'est bon. C'est boum. Oh non, pas l'argent. L'argent des abonnés. Oh. Hey, oh. Mais l'argent des abonnés. 85 par mille. Ah mais c'est toi, il a eu un petit lag. Pas grave. L'argent. L'argent Forever. Non, on rend l'argent. Regarde, hey, Mister, toute l'argent. J'arrive pas à savoir où tu es, où tu es, Eldaemon. Bah attends, je récupère mon stock. Je vais me téléporter à toi. Mais non, je peux t'y conduire. Ah bah qu'on dis-moi, mon très cher Spiritus. Oh, mais t'es un enfoiré, vite, oui. Sors de chez moi. Merci pour les heures. Merci pour les 5 diamants. Merci pour les. Ah putain de merde, bah c'est le téléphone, yolo. Bon bah, on va dire qu'en tournage ça compte pas. Bon. Yolo phone. Bon, du coup, j'ai pété le sol de ma maison et j'ai toujours pas récupéré mon argent. Mais tu n'auras pas ton argent. Est-ce qu'il est sérieux, le gars? L'argent des abonnés, avec la sonnerie du téléphone en arrière fond. C'est génial. Rends l'argent. Bon, dès que j'ai pu observer un petit peu la maison du démon. L'argent! Du Daemon et pas du démon 3X. Oui! Ouais. Moi je vais récupérer mon argent. Non, je veux l'argent! Je veux l'argent, le Daemon! Ah, du pain! En effet, le chemin est un petit peu yolo pour ta maison, Eldaemon. Ouais, je sais, mais je vais arranger un truc, t'inquiète. Oui! L'argent YouTube, l'argent des abonnés, il est là, je vais le récupérer. Et voilà, je vais aller prendre de risques là. Oh putain de merde! Bon. Ah, là, tu vois, il a fait comme moi, sauf que moi au moins j'ai sécurisé un temps soit peu. Ah oui, mais moi je viens à peine de commencer, je compte fait, va. Oui, je suis safe. Oh bordel de merde, j'ai le vertige. Je crois bien que tu es la deuxième maison la plus haute. Ah bah j'ai l'argent maintenant. Rends-moi l'argent. Non, rends-moi les pendiums, ça les fait. Et c'est là-dessus qu'on devrait conclure cette maison et lancer le suivant. C'est la maison qui est là-bas. Ouais, qui sait. J'espère que ça vous aura plu. Dans l'épisode à venir, on va commencer à se diriger vers le nouveau donjon, oui. Normalement. J'aime beaucoup le Frostier Slime, moi, personnellement. Bah, je me balade avec ma propre tête, en fait, c'est un peu chaud pour l'instant. Donc ouais, sur ce, je vous remercie et je vous dis au revoir. Qui a perdu un casque faire? C'était CLB. Personne ne m'écoute. Bah, en fait, j'ai Au revoir, c'était CLB. Goodbye.